Et alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on va faire. Pour ceci vous recevrez un pot vide, faites comme si qu'il était vide parce qu'en fait on a déjà fait l'expérience. Et vu qu'on n'a plus de pot, ben voilà. Il vous faudra de fond de teint que l'a eu chez Brunette, mais vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin. De crème d'écril avec de la vaseline. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre de la crème zonaire et votre crème du jour. Donc on va commencer par mettre de la crème d'écril dans le pot. Voilà. Et d'un petit peu de fond de teint. Je vais le mettre. Voilà. Voilà. Et là, je vais mélanger. On mélange bien et vite pour que tous les morceaux soient en ordre. Déjà ça. Je mange bien pourquoi qu'il y a une grumeau, ni de morceaux, ni de je sais pas quoi. Ah bah voilà. On va l'essayer sur notre main. Alors je commence. Moi j'arrive. Voilà, j'en mets. Hop, je l'éteins. On m'éteint bien quand même pour qu'on le voit. Le chapeau est allé là, donc. Hop, et si vous regardez, j'ai une main plus bronzée que l'autre. Que vous regardez. Celle-là, c'est celle-là où je l'ai appliquée. Hein. En fait, c'est parce qu'elle a la caméra. Mais sinon, celle-là, elle est plus bronzée que celle-là. Et celle-là, elle brille mieux. Donc, en gros, ça fait aussi un éclaircisseur. Pardon. Ça fait aussi un éclaircisseur pour la peau qui vaut près de 60 euros au magasin. Donc, si vous voulez un éclaircisseur, bah, je vous conseille cette vidéo. Donc, voilà. Ça sent pas très bon. Non, je déconne. Donc, voilà. Après, pour la conservation, vous pouvez regarder à peu près. Moi, ça va bien. Faire un ou deux mois en refermant bien. Donc voilà, allez, je vous laisse. Kiss. Kiss.